Dieu. Tusimame ajili ya usomi wa neno la Mungu. Nous allons lire dans Apocalypse 10:1. Tutasoma katika Ufunuo sura 11. Jusqu'au septième verset. Soyez tolérants parce qu'il nous faut lire les tout ensemble. Mwe wavumilivu maana yabidi tuyasome yote pamoja. Okay, on y va rapidement. Kwa hiyo tutaenda haraka. Ufunuo sura yake ya 10 aya ya kwanza inasema: Nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka toka mbingu, akivikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa, akapewa, akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya inchi. Naye alilia kwa sauti kubwa kama simba anavyonguruma. Na wakati alipolia, ngurumo saba zikatoa sauti zao. Hata ngurumo saba zilipotoa sauti zao, nilikuwa tayari kuandika. Nikasikia sauti toka mbinguni ikisema, tia muhuri juu ya maneno zilizosema ngurumo saba, usiyaandike. Na yule malaika ambaye nilimuona akasimama juu ya bahari na juu ya dunia, akanyanyua mkono wake wa kuume kwa mbingu, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, aliyeumba mbingu na vitu vilivyo ndani yake, na dunia na vitu vilivyo ndani yake, na bahari na vitu vilivyo ndani yake, ya kwamba hautakuwa na wakati nyuma ya haya. Lakini katika siku za sauti yake malaika wa saba, wakati atakapokuwa tayari kupiga baragumu, halafu siri ya Mungu itakapomalizwa sawa alivyo hubiri kwa watumishi wake manabii. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. C'est vrai. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Mm. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Amen. Béni soit ton nom, Père. Béni ta parole ce matin. Nous voulons la saisir selon le plan mystérieux que tu as voulu que nous naissions dans cet âge, et que le diable n'ait aucune part dans l'explication ni dans la compréhension, amen, amen. Mais que le Saint-Esprit lui-même vienne nous l'accorder, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Asseyez-vous. Okay. Question-réponse. Maswali na majibu. Deuxième partie, sehemu ya pili, page 1047. Ukurasa 1047. 1047. Ukurasa 1047. On y va. Twende pale. Question 395. Swali. Question 395. Je vais leur dire une question que n'importe qui poserait. Nitasema maana ni ulizo lenye yeyote yule angeuliza. Question 395, il est dit ceci. Ulizo la 345 inasema hivi. Je vais lire un peu, écoutez. Nitasoma kidogo. Les tonnerres qui sont les sept mystères. Ngoje kidogo. Les tonnerres, les sept tonnerres, qui sont les sept mystères, ont-ils déjà été révélés? Attends. Yes. Ont-ils été révélés dans les sept sceaux? Mais
sans qu'il nous soit encore connu comme étant des tonnerres. Lis la question en Kiswahili. Tunasoma. Question numéro 395. Inasema. Je, zile ngurumo saba ambazo ni sawa na siri saba zimekwisha kufunuliwa? Stop. Okay. Kila mtu anaweza kuuliza ile swali. Mbe zile ngurumo saba zenye mulikuwa munasema zenye njoo zinalingana na siri saba. Je, zilishafunuliwa? Si ni swali ya kwanza ile. Ule mtu tena nauliza. Ont-ils été révélés dans les sept sceaux, mais sans qu'ils nous soient encore connus comme état de tonnerre? Et je, zilifunuliwa katika zile mihuri saba, ila bado, hazija julikana kwetu, sawa ngurumo? Mnaambia ile question inasema nini? Huyu mtu yuko nauliza. Eske, manake kumbe zilifunuliwaka mwile mihuri saba. Mesia tungali tunangoyaka seme zifunuliwe. Na kumbe zilishaka funuliwa mu mihuri saba. Mesia tuyaka kama zile mihuri saba na njo zile ngurumo saba. Okay. Eske, haiwezekani kumbe tu zilifunuliwaka mu mihuri saba. Mesia tukuyaka kama na njo ngurumo saba. Tungali tunangoyaka zifunuliwe. Donc, il pose la question de dire, est-ce que peut-être ils n'ont pas été révélés dans les sept sceaux, mais nous, on n'a pas encore connu que c'est ça les sept tonnerres? Est-ce que vous ne trouvez pas que celui-là a posé une question, mais il a la réponse? Hamwoni ya kwamba ndugu huyu aliulizaka, lakini yeye mwenyewe anajibu. Vous voyez, il veut que Branham lui confirme. Anataka kwamba Branham si te révélé ou non, ya kuwa zilifunuliwa au apana. Kire yelema seda le set tonne, na kama kweli zilifunuliwa katika mihuri saba, comme ça il se calme. Ili atulie. Eh bandeko. Bandugu. Il y a un prédicateur malhonnête. Kuna muhubiri ambaye malhonnête mukorofi. Mukorofi. Que j'ai jamais entendu de ma vie. Ambaye niliwahi sikia maishani. Quand il prêchait, alipohubiri, il avait dit seulement la réponse ici, le premier mot ici et puis il a fermé la bronchite. Akaweka kai neno la kwanza na kanyamanzia kapale. Paragraph 78. Kwa mtaji wa 17 na 8. Branham dit. Branham anasema. No. La. Virgile. Mkato. L'homme là quand il prêchait. Mtu yule alipohubiri. Il avait dit. Alikuwa alisemaka. No. Apana. Et puis il a fermé la bronchite. Kisha akafunga kitabu. Malhonnête. Mukorofi jinsi alivyokuwa. Mais lisons tout. Lisons tout, bien-aimés. Tu attends un peu. Maneno yote. Non. Apana. Ils ont été révélés dans les sept sceaux. Zilifunuliwa katika zile mihuri saba. C'est des tonnerres qu'il s'agissait. Hivyo ndivyo zile ngurumo zilizokuwa. Apana. Zilifunuliwa katika zile mihuri saba. Hivyo ndivyo zile ngurumo saba zilivyokuwa. Ilibidi zifunuliwe. Il devait révéler les sept tonnerres qui ont fait entendre leur voix et que personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était. Mais il lui fit interdit de l'écrire. Il a dit, mais le septième ange, au jour il sonnerait de la trompette. Amen, les sept mystères de sept tonnerres seraient révélés. Le septième ange était messager du septième ange de l'église. Voyez-vous, soma ça. Zile ngurumo saba, zilitoa sauti zao, na hakuna ya yeyote angetambua ilikuwa nini. Yohane alijua zilikuwa nini. Lakini yeye alikatazwa kuandika habari zake. Yeye alisema, bali yule malaika wa saba katika siku za kupiga, haleluya! Katika siku za kupiga baragumu yake, zile siri saba, zile ngurumo saba zitafunuliwa. Na yule malaika wa saba ndiye mjumbe wa ule wakati wa saba wa kanisa. Unaona? Hallelujah. Amen, amen, amen. Ndio. Amen. Amen, amen. Hey. Holy. Amen, amen.
Amen. Est-ce que kuko vita tena pale vraiment? Est-ce que pale kuko vita? Bakikuuliza si on te pose une question. Wakikuuliza ulizo. Qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Et sasa ngurumo zilisemaka nini? Répondez, ils ont dit ce que les sept sons ont dit. Jibu hivi, ngurumo saba zilisema yale mihuri saba zilisema. Et si on te dit qu'est-ce que les sept sons ont dit? Wakikuuliza sasa mihuri saba zilisemaka nini? Venez chez nous quand on vous prêche, on prêchera si les sept sons, alors tu sauras. Kuja kwetu watakapohubiri mihuri saba zilisema nini utajua. Donc, kwamba, ce que les sept tonnerres ont dit, yenye nguruma saba zilisema, ce sont les sept sauts. Ndizo mihuri saba. Vous voulez savoir ce que les tonnerres ont dit? Ukitaka kujua yenye nguruma zilisema, allez savoir ce que les sept sauts ont dit. Wende ujue yenye mihuri saba zilisema. Si votre pasteur ne vous a jamais prêché premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, jusqu'au septième saut. Ikiwa mchungaji wako haja kuhubiri iliyosemwa na muhuri wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba. Mais allez croire quand même que wende ukiamini kwamba les jours on vous prêchera les sept sauts. Siku utakapohubiriwa mihuri saba, on sera en train de vous prêcher les sept tonnerres. Watakuwa wako wanakufundisha ngurumo saba. Donc l'église qui a déjà reçu la prédication sur les sept sceaux, kwamba kanisa ambalo limepokea mafundisho kuhusu mihuri saba, connaît déjà ce que les sept tonnerres ont dit. Linajua yale ngurumo zilisema. Ok. Sawa. Alors vous allez me dire ça, on a zile mihuri mbone habaya ziprêche, tout a zihubiri. Tout a ziprêche. Ndiyo, ndiyo. Les sept sauts, c'est quoi? Sasa, zile mihuri saba ni nini? Ce sont des choses que Jean a vues. Ni yale mambo Yohana aliyoona. Il a vu. Aliyaona. Et quand il a vu, alipoyaona, ça venait sous forme de symbole. Yalikuja sawa mifano. Il a vu. Aliona. Le premier saut. Muhuri wa kwanza. C'était un cavalier blanc. Alikuwa ni mpanda farasi mweupe. Qui avait ambaye alikuwa un arc sans flèche. Na upinde bila mshale. Mais quand il est venu, alipokuja, l'animal qui est venu l'affronter, c'est le lion. Mnyama uliyekuja kupigana naye ni simba. C'était le Nicolaïte qui a prévalu dans les premiers âges de l'église. Ilikuwa ni Unikolai uliotawala katika kizazi cha kwanza cha kanisa. C'est quelque chose que nous devons savoir, c'est dans les sept sauts quand même, frère. Ni mambo yenye tunapaswa kujua yanayokuwa katika mihuri saba. Le deuxième saut, c'est quoi? Mihuri wa pili ni nini? Jean a vu, Yohane aliona, le cavalier rouge, mpanda farashi mwekundu, qui montait, aliyekuwa na avait l'épée. Upanda, alikuwa na upanga. Il était disponible de terminer la paix sur la terre. Alikuwa tayari kumaliza amani kudunia. Le deuxième animal qui est venu, mnyama wa pili uliokuja, c'était le bœuf. Ilikuwa na kinda la ngombe. C'était dans l'âge de l'église, là où on tuait les chrétiens pour avoir cru. Ilikuwa ni mukizazi cha kanisa ambapo waamini waliuawa sababu ya kuamini. C'est l'assassinat de 68 millions de protestants, c'est l'assassinat de tous ceux qui avaient refusé l'église catholique de cette période là. Ilikuwa ni wakati walioamini waliuawa mamilioni ya watu. Troisième saut. Muri wa tatu. Jean va voir Yohane akaona un cavalier noir mpanda farasi mweusi avec une balance ambaye ana mzani. Mais je ne peux plus prêcher ça. Siwezi kuhubiri sasa hivi. Parce que sababu, c'est un autre sujet. Ni somo lingine. Mais ce que les sons ont dit, na yenye zilisema, c'est ça le même dossier des tonnerres. Ni yoyo habari ya ngurumo. Qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Sasa ngurumo zilisema kani. Ils ont dit comment le diable est venu en train de combattre jusqu'à cet âge. Zilisema kanamna shetani alikuja akipiganisha kanisa mpaka kizazi hiki. Je ne peux plus confondre aujourd'hui la prédication sur les tonnerres et les sons, alors que ce sont des sujets différents. Leo, mais croyez d'abord que les tonnerres ont dit ce que les sons ont dit. Leo sitachanga mafundisho ya mihuri saba na ngurumo saba. Ya maana ni kuamini ya kwamba ngurumo zilifunuliwa na yale yenye zilisema ndiyo haya. Katika mihuri saba. Mena, ya enso. Sasa kuna muhuri moja. Qui divise les églises. Unao gabula makanisa. C'est le septième. Ni muhuri wa saba. Vous savez pourquoi encore les amis ne savent plus y croire? Munajua kuna wenye hawaiamini. Ouvrez vos Bibles. Apocalypse 8:1. Vous comprendrez qu'ils ont raison mais ils n'ont pas raison. Mutafikia kuelewa kwamba wana haki lakini pia hawana haki. Ouvrez. Muifungue Biblia. Apocalypse 8:1. Ufunuo 8.
Quand il ouvrit le septième sceau, alipofungua muhuri wa saba, il y eut dans le ciel un silence. Kukawa kimya mbinguni. D'environ une demi-heure. Wa karibuni nusu ya saa. Basi vinaishia pale. Na muhuri naishia pale. Wenzetu wako na rezo ya kuipinga sema sasa njoo nini ile silence njoo nini. Mimi sibaulize tena mjumbe. Kama watu wako na shiti yako mawazo na mjumbe alisemaka. Ndio ndio. Voilà comment les églises aussi se trompent là-bas. Ona namna makanisa yanadanganyikiaka pale. J'ai des églises collègues, des églises que j'aimais qui se sont séparées de la parole qui ont décidé que le septième son n'est pas révélé et jusqu'aujourd'hui ils sont partis. Kuna makanisa yenye ni pendwa ambayo yalikuwa yetu ambayo yaligabulikana sababu tu ya kusema kwamba muhuri wa saba haukufunuliwa. Baki kwambia muhuri wa saba ni nini? Silence ya karibu 30 minutes. Ile kimya ya nusu saa iliyosikilika. Basi. Mwisho pale. Na binaishia pale. Hakuna mafasilio mu Biblia. Et les amis, quand ils arrivent à ce silence, na wenzetu wanapofika kwa ile kimya, ils vous disent frère, wanatuambia ndugu, si y a silence, ikiwa kulikuwa kimya, vous voulez dire quoi alors? Ninyi mnataka sema nini? Vous voyez comment les gens sont en train de troubler les choses. Munaona namna watu wako wanavuruga mambo. Ils vous disent voilà. Wana simamia hapo. Apocalypse 8 dit que il y a un silence. Eti ufunuo mnani nasema kwamba kulikuwa kimya. Quand il a ouvert le septième sceau. Alipofungua muhuri wa saba. Il y a un silence d'une demi-heure. Kulikuwa kimya ya nusu saa. Alors vous frères, vous voulez dire quoi là où il y a un silence? Sasa ewe ndugu nataka sema nini kwenye kulikuwa kimya? Là où Dieu n'a pas dit, vous voulez dire quoi? Kwenye Mungu hakusema neno, wewe wataka sema nini? Chère église de Dieu, kanisa la Mungu, je vais vous dire ce matin nitawaambia asubuhi ya leo, que le septième sceau a été révélé. Ya kwamba muhuri wa saba ulifunuliwa. La révélation du septième sceau, c'est-à-dire quoi? Ufunuo wa saba manake nini? Connaître si dans ce septième sceau il y a quoi? Kujua kama katika ule muhuri wa saba mulikuwa nini? À cette heure, vous allez dire. Wakati huu utasema. Na qu'est-ce que Branham dit du septième sceau? Nini Branham alisema kuhusu muhuri wa saba? Avant de quitter. Mbele ya kutoka. Retenez dans toute votre vie. Shika maishani mwako. Dans le septième sceau il y a trois choses. Ya kuwa katika muhuri wa saba munamo mambo matatu. Est-ce que l'église peut d'abord comprendre que. Je, kanisa laweza elewa kwamba. Le fait même de savoir qu'il y a trois là où il y avait un silence c'est déjà une révélation. Ile kujua kwamba. Wakati ulifunuliwa kulikuwa kimya maana kulikuwa ufunuo. Eske kana munaweza kwanza kuitika kwamba sie binye tulianza sikia kama kuko ukimya. Meme kuyua kama tena mwa kile kitu cha ukimya muko bitatu deja ni ufunuo. Ndiyo. D'abord kuyua kwanza kama mwa ile silence mwa ile kimya Branham alitosha mu bitu tatu. Ndio ndio. Je sema haifunuliwa na mwisho kwambia deja byenyeri kwamo. Connaître de seulement que dans le septième sceau il y a trois choses. Kujua kwamba mwa ile muhuri wa saba muko vitu vitatu. C'est déjà la révélation, c'est-à-dire l'explication de ce qui est inconnu. Kwamba ni ufunuo kwamba kuna mafasilio ya yenye haijulikani. Est-ce que le septième sceau est révélé? Je sasa muhuri wa saba ulifunuliwa? La réponse oui. Jibu ni ndio. Qu'est-ce qui est révélé? Nini liyofunuliwa? Réponse numéro 1. Jibu ya kwanza. Il y a trois choses dedans. Mule ndani ya muhuri wa saba muko mambo matatu. Lesquels? Nayo ni ya wapi? Alors nous allons les citer. Sasa tutayataja. Comme ça quand on te dit est-ce que le septième sont révélés, tu dis oui. Ili utakapoulizwa eti je muhuri wa saba ulifunuliwa, itika ndio. Il a dit quoi? Il sema nini? 1, 2, 3. Moja, mbili, tatu. Hoshia huna ubishi unaishia pale. Ubishi unaishia hapo. Alleluia. Amina. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas révélé. Mutu akikwambia kwamba haikufunuliwa. Il lui ça te regarde. Mwambie ile inakuona. Mais mon messager lui. Lakini mjumbe wangu yeye. Le septième ange. Ule malaika wa saba. A trouvé dedans trois choses. Alipata mule mambo tatu. Amen. Amina. Kuna ngu kweli nguvu ya ajabu kubwa katidamu ya Mwokozi Yesu.
lentement. Septième esso. Muhuri wa saba. Paragraphe 3. Muvumilie mafundisho inaombaka akili, nguvu na ukengevu. Ndio. Parce que bakiba prêcher tout fausse doctrine tout kidogo pa na munapotea. Na munapotea. Hii ndio inatufanya sisi tuwe chenye tuko hapa. Hallelujah. Na hii ndio inatutofautisha na zengine. Ndiyo, ndiyo. Tunapasha kuyua vyenye tunamini na kwenye tunavitosha. Amen, amen, amen. Ndiyo, ndiyo. Amen. Amen, amen. Amen. Amina. Septième esso. Muhuri wa saba. 24 mars 63. Tarehe 24 mwezi wa 3 64. Voilà 304. Voilà qui montre bien que c'est Dieu. Tazama inayoonyesha kwamba ni Mungu. Parce que sababu, vous voyez, munaona? Cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu. Hiyo inapatikana katika ahadi za Mungu. De la fin du message. Ya mwisho ya ujumbe. Vous remarquez. Munatazama? Remarquez là. Tazameni hapo. Pour le message de la fin du temps. Kwa ujumbe ya wakati ya nyakati. C'est ça. Ile muhuri. C'est usengilie. Ile muhuri. Ile muhuri. Après que tout ce qu'il a révélé, tous les six sceaux, nyuma ya yenye alikuwa amefunua kuhusu mihuri sita, voilà qu'il ne dit rien au sujet du septième. Ona hasemi lolote kuhusu muhuri wa saba. Pale nje kwenye watu wanapotelea. Hey. Akishafasilia sita kuya saba haseme kitu. Na watu wanabanda wanasema. Simona kama haseme kitu kuya saba. Hey. Voilà là où les gens se perdent cela. Hapa njoo kwenye watu wanapotelea. Quand ils entendent le Freddy, il a révélé tous les six sceaux. Wakati wanasikia kwamba alifunua mihuri saba. Voilà qui ne dit rien au sujet du septième. Ona hasemi lolote kuhusu muhuri wa saba. Et le son du temps de la fin. Na muhuri wa wakati wa mwisho. Ya saba. Quand il commencera. Atakapoanza. Il sera tenu dans un secret complet selon la Bible. Atakuwa katika siri sawa sawa na Biblia. Et avant de savoir cela. Na mbele ya kujua hiyo. Souvenez-vous. Kumbukeni. Apocalypse 10, 1 à 7. Ufunuo moja, ufunuo kumi moja hadi saba. 1 à 7. Moja hadi saba. Chapitre 10, 1 à 7. Sura kumi moja hadi saba. À la fin du message du septième ange. Kwa mwisho wa ujumbe wa malaika wa saba. Tous les mystères de Dieu seraient connus. Siri zote za Mungu zingejulikana. Munaona kwenye kuna taba beba. Même si hakusema kitu. Ndiyo, ndiyo. Memu kumbuke ule wa saba tazileta tu zile ndiyo. Siri nazo. Ya saba nao yenye hakusema kwa kitu. Nayo itatumbukia tumu vyenye wa saba ndiyo, taleta. Ndiyo, ndiyo. Frère Branham est en train de nous montrer que. Branham miko naonyesha kwa. Même si pour le septième on a rien dit. Hata kama kwa muhuri wa saba hakusema neno. Et que c'était mystère. Nayo ni siri. Le septième esso qui était mystère doit aussi être connu par le septième messager. Muhuri wa saba ambayo nayo ni siri inapasha julikana na jumbe wa saba. Écoutez ce qu'il dit. Siki anayosema. Nous sommes au temps de la fin. Tuko kwa wakati wa mwisho. À l'ouverture du septième esso. Kwenye muhuri wa saba itafunuliwa. Hii ya saba ni yetu. Amen. Na nitabaonyesha kwenye iko natumika mu assemblée. Amen, amen. Je vais vous montrer. Dio. Je vais vous montrer que le septième esso c'est pour nous. Nitaonyesha kwamba muhuri wa saba ni yetu. Et comment il est en train d'opérer même ici parmi nous. Na ici. Namna iko inafanya kazi. Ici à Goma dans ce bâtiment. Hapa kanisani mwetu. Je vais vous dire comment ça opère. Nitawaambia namna iko inafanya kazi. Parce que c'est notre esso. Sababu ni muhuri wetu. Et il doit continuer jusqu'à l'enlèvement. Na itaendelea mpaka siku ya kunyakuliwa. L'esso a commencé muhuri ulianza en 63. Makumi sita na tatu. Il doit se terminer quand nous montons au ciel. Inapaswa ishia wakati tunapanda mbinguni. Donc le septième esso va accompagner l'église jusqu'à son enlèvement. Kwamba muhuri wa saba itaenda na kanisa mpaka itakaponyakuliwa. Dire que le septième esso n'est pas révélé, c'est plonger l'église dans l'obscurité. Kusema muhuri wa saba haikufunuliwa ni kuingiza kanisa mugiza. Écoutez, il dit, nous sommes au temps de la fin. Anasema kwamba tuko ku wakati wa mwisho. À l'ouverture du septième esso. Kwenye muhuri wa saba utafunuliwa. Écoutez. Musikie. Bon. Paragraphe 304. Bon. Sasa. Maintenant, est-ce que vous remarquez? Sasa mnaona. À l'ouverture du septième esso. Muhuri wa saba unapofunuliwa. Voilà qu'il y a aussi trois mystères. Tazama kutakuwa na siri tatu. 389.
à l'ouverture du septième son, voilà qu'il y a aussi trois mystères. Je vais demander aux amis qui enregistrent. Vous allez nous couper trois audios. In audio si le tonnerre. Ujumbe juu ya ngurumo. In audio si le septième son. Mahubiri juu ya muhuri wa muhuri saba. In audio si le troisième poule. Na mahubiri juu ya mvuto wa tatu. Nous allons les partager séparément. Tutazigabula kuzitofautisha. Même si sur YouTube on verra le tout. Hata kama kwenye YouTube kutaonekana yote. Nous devons avoir ces trois audios différentes. Yale mahubiri tatu ya c'est là où les églises sont en train de mourir à cette heure. Alors, frère Branham dit, à l'ouverture de ce septième sceau, voilà qu'il y a aussi trois mystères. 391. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ni wambie nini tena? Écoutez. Trois choses. Mambo matatu. Le premier, c'est le troisième poule. Ya kwanza ni mvuto wa tatu. C'est que je vous ai dit que vous devez comprendre. Quand j'ai dit troisième poule, septième saut, sept tonnerre, muko muna waza bina tofauti. Bina banana, mekuyo kwenye kila kimo ya chiko, ya bidiwe ulifundishwa. Amen, amen. Je vais écrire septième saut. Nitaandika hapa muhuri wa saba. Regardez. Mwangalie. Manake, nilibichapa kunyumba nikasikia iko sawa roho kanambia acha kwanza utachapa. Écoutez bien. Msikie mzuri. Suivez bien. Tonnerre. Ngurumo. Sept tonnerre. Ngurumo saba. Sept saut. Mihuri saba. Ok? Sawa. Vous voyez la première boîte. Kibweta cha kwanza. De sept tonnerre. Cha ngurumo saba. Elevada le sept so. Zinaenda mumihuri saba. Ce n'est plus une discussion. Haingaliki ubishi. Nous prenons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kunakuwa moja, mbili, tatu, ine, tano, sita, saba. Ce sont les sept so. Hizi ni mihuri saba. Menakila di a tous les six. Sasa. Hivi alieleza kuhusu hizi sita. Mais quand il arrive au septième saut du silence, anapofika kwa hii muhuri ya saba ya kimya, il ne dit rien. Hakusema neno. Mais selon Apocalypse 10, lakini sawasawa na Ufunuo 10, le septième ange doit révéler ça. Ya kuwa malaika wa saba atafunua. Quand il arrive le septième ange, anapofika kwa malaika wa saba, dans ce silence, lui, mwa hii kimya, il y tire trois choses. Anatosha ndani mambo tatu. Amen. Est-ce que Mungu akona fungula kanisa akili? Huko vitu vyenye kama hauna ukengevu utatumkia mfose doctrine. Ndio ndio. Dans le silence. Mwai kimya. Et comme le septième messager doit révéler tous les mystères. Hivi mujumbe wa saba anapaswa funua siri zote. Même là où il y avait un silence. Hata na kwenye kulikuwa kimya, lui a trouvé trois choses. Yeye alipata mambo mambo tatu. Parce que c'était un messager. Sababu yeye ni mjumbe. Amen, amen. Amen. Écoutez. Musikie. Paragraphe 300 au septième son. Mtajwa mia tatu. Et il y a trois grandes choses qui vont avec. Sasa kuna mambo matatu yanayokuja na hii. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui. Moja wapo imekwisha funuliwa leo. Hier, l'autre a été dévoilé aujourd'hui. Ao jana, ingine ilifunuliwa leo. Il y a une autre chose que je ne peux pas interpréter. Kuna jambo lingine ambalo siweze tafsiri. Parce que c'est dans une langue inconnue. Sababu iko mulugha isiyojulikana. Mais j'étais là. Lakini nilikuwa pale. Et j'ai vu cela devant mes yeux. Na niliona mbele yangu. Et c'est le troisième poule qui approche. Nayo ni mvuto wa tatu unaokaribia. Mwaile muhuri wa saba. Dale septième so. Mwabile vitu tatu. Parmi les trois so. Kimoya yabyo ni mvuto wa tatu. Troisième poule. Sasa mwenye nakwambia hamuna kitu. Kisha unamwambia muko mvuto wa tatu. Ndio. Est-ce qu'il imefunuliwa wala haikufunuliwa? Quelqu'un qui te dit qu'il n'a rien parce que c'est un silence. Le messager vous dit dans le septième saut il y a le troisième poule. Est-ce que c'est révélé ou ce n'est pas révélé? Je, ilifunuliwa au haikufunuliwa? Eh bwana, bachi kupoteza ma église zetu.
troisième poule fait partie du septième sceau, le septième sceau qui fait partie des six sceaux, les six sceaux qui sont dans les sept sceaux, plus le septième, qui sont la révélation des sept tonnerres. Ah! Mathématiques. Mvuto wa tatu ni moja wapo. Amen. Ya mambo yalifunuliwa mwa ile kimya. Mama, kama ta muye bifasilia, me mukibitika na munabiamini, munabana tu. Amen. Mwache ba hubiri bakwe bana bidefendre, na muko nasema bali bisomaka na tuko. Amen. Inatosha. Ndio ndio. Amuko obligé ku bidemontrer ça wa mie. Amen. Me mubiamini kama sikubadanganya nilibasomea. Haleluya. Inatosha. Amen. Na munanyakuliwa na musomi mwenye iko na madoktora kule, mwenye alisema hazifunuliwe, arate. Amen. Habiombe masomo. Kuna vitu kibiamini tu. Amen. Hata uye bidemontre, unasema bali bifasili yaka na niko na liona ni vya kweli. Unasema, misiko predikater me nilionaka bie bie. Ndiyo, ndiyo. Na unanyakuliwa, na musomi mwenyeko na tripote mabronchir, na maletre circulaire, anarate. Anapotea. Amen, amen, amen. Chakwanza mumekijua, ni mvuto wangapi? Nikisha fasilia bile bitruwa, ndaba fasilia sasa mvuto wa tatu ni nini, na eske tunakuwaka nayo na siye, purke tuwe kama muhuri wa saba, iko hapa. Yeren? Amen. Après avoir expliqué ces trois choses qui sont révélées dans le septième sceau, nyuma ya kufasilia yale mambo matatu yanayokuwa katika muhuri wa saba, alors je vous démontrerai que ce septième sceau c'est le nôtre. Nitawaonyesha wazi ya kwamba ule muhuri wa tatu ni wetu. Non, il est seulement révélé. Si kwamba tu ilifunuliwa. Mais nous le vivons. Bali, tunaiishi. Et c'est ce qui doit nous donner aussi la foi de l'enlèvement. Na ni ile itatupatia imani ya kunyakuliwa. Parce qu'il correspond aussi au tonnerre. Sababu inapatana na ngurumo. Amen. 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 Shalom. Shalom. Ok. Deuxième chose. Pili. 391 septième so. Mia tatu makumi kenda na moja. Bon. Sasa. Maintenant. Sasa. Est-ce que vous remarquez? Je, munangalia. À l'ouverture de ce septième so. Wakati muhuri wa saba ulipo funuliwa. Voilà qu'il y a aussi trois mystères. Tazama tena kuna kuwa siri tatu. L'un dont je parlerai. Moja ambayo nitaisema. Et dont j'ai parlé. Na ambayo nilishaisema. C'est le mystère de sept tonnerres. Ni siri ya zile ngurumo saba. Njo mana sije ilifale ikue moya. Ndiyo. Sept tonnerres. Zile ngurumo saba. Ya pili ile. Ndiyo. Ya pili. La deuxième chose qui est dans le septième sceau. Jambo la pili ambalo limo katika muri wa saba. C'est le mystère de sept tonnerres. Ni siri ya ngurumo saba. Oh, les sept tonnerres. Na hizi ngurumo saba. Viennent encore coller dans le sept sceau. Zinakuya banana na mihuri saba. Et ça revient encore dans le sept tonnerres. Tena zina endea ngurumo saba. Dans le silence de 30 minutes, presque 30 minutes. Mwa ile kimya ya nusu saha. Les sept tonnerres aussi grondaient. Ngurumo saba zilikuwa zikinguruma. Mais on ne pouvait pas les savoir. Lakini haungelizijua. Parce que dans le septième sceau, mwa ile muhuri wa saba, il y a les sept tonnerres. Muko na ngurumo saba. Amen. Amina. Amen. Amina. Shalom. Shalom, shalom. 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 Shalom, shalom. Qu'est-ce qu'il y a dans le septième sceau? Nini nakuwa katika muri wa saba? Trois choses. Mambo tatu. Un. Ya kwanza. Troisième poule. Muvuto wa tatu. Deux. Ya pili. Sept tonnerres. Ngurumo saba. Trois. Ya tatu. On y va. Twende pale. Amen, amen, amina, amina. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amina. Amen, 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 amen. Amina, amina. Merci Seigneur. A santé buona. Poule, poule. Lentement, lentement. Amen. Amina. Voilà maintenant. On a ça.
Troisième chose. Jambo la tatu. Question-réponse. Maswali na majibu. 24 mars 64. Ya tarehe makumi mbili na ine mwezi wa tatu. Il a prêché le matin les 7 so. Il prêche les questions le soir. Alihubiri. C'est la même date. Nita kwa tarehe moja. Et si vous voulez le voir bien. Na kama mwataka yona mzuri. Vous allez découvrir que. Mutatambua kwamba. Le 7e soir était prêché le 24 mars. Muhuri wa saba ulihubiriwa tarehe makumi mbili na ine mwezi wa tatu. 63. Makumi sita na tatu. C'est l'avant-midi. Asubuhi. Dans l'après-midi, Mangaribi, il va prêcher akahubiri, le même 24 mars. Ile tare makumi na ine mwezi wa tatu, il prêche les questions-réponses. Akahubiri kuhusu maswali na majibu. Ndio. Siku moya. Le même jour. Paragraphe 56. Mtaji wa makumi tano na sita. Vous voyez, munaona, toute la chose est enveloppée ensemble. Mambo yote yanafunikwa pamoja. Et nous avons examiné que Jésus a dit ici. Tuli chunguza kwamba Yesu alisema hapa kwamba. Ils ont posé 3 questions. Waliulizaka maswali tatu. Vous voyez? Je, mnaona? Quand ces choses arriveront-elles? Mambo hayo yatafikaka wakati gani? Quel sera le signe de ta venue? Ni ishara gani ya kuja kwako? Et quel sera le signe de la fin du monde? Na ni ishara gani ya mwisho wa dunia? Il a carrément enchaîné. Alivi. Et nous avons fait ressortir chacun d'eux sur cela. Na tulitosha kila moja wapo kwa hayo. Sauf un. Isipokuwa moja. Qu'est-ce? Nini ile? Le 7e sceau. Muhuri wa saba. Pourquoi? Kwa nini? Vous voyez? Munaona? Ce n'est pas connu. Haijulikani. Voilà. Tazama. On les a tous bien ressortir. Waliatosha yote. Je les ai mis en parallèle. Nikaya weka moja. Très exactement de part et d'autre. Sawa sawa na moja ngambo nyingine. Écoutez, sikia. Je vais vous montrer là-bas. Nitaonyesha pale. C'est dans le premier saut. Ni katika muhuri wa kwanza. Et personne ne saura quand Jésus vient. Na hakuna atakayejua wakati Yesu atakapokuja. C'est tout. Yote ile. Voyez? Mnaona? Voilà tout. Ona yote. Ce n'est pas mon affaire de savoir quand. Haiko wajibu wangu kujua ni wakati gani. Alors, paragraph 309, 7e so. Mtajo wa 319 na 9. Hey, isika le 7e so. Na hapa katika muhuri wa saba. Quand il l'a ouvert, alipo ufungua, il a omis cela. Akaacha ile. Ile ya tatu hakuisema. Quand il ouvre le 7e so. Alipofunua muhuri wa saba. Il y a quelque chose que il n'a pas donné aux gens. Kuna kitu ambacho hakupatia watu. Il a omis. Et quand il a ouvert là encore. Alipofunua pale juu. Il a omis cela. Hakusema kitu. Voyez-vous? Je, mnaona? Par conséquent. Sababu ya hiyo. Nous voyons que c'était mystère total. Tunaona kwamba ni siri kabisa. Donc l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venu. Saa ya kwamba ile siri julikane hai yakuja. Donc nous savons ce qu'il en est jusque là. Mpaka pale tunajua ni nini. Donc nous savons ce qu'il en est jusque là. Mpaka pale tunajua ilikuwa nini hadi hapa. Donc bule buwili deja tunajua ni nini moya saba. Ndio. Mesa nafika moya saba kuko kitu hakupenda sema. Ndio. Dans le 7e so il y a quelque chose qu'il a omis. Katika muri wa saba kuna kitu hakusemako. On connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau. Tutajuaka ile wakati Yesu Kristo ataonekanaka tena kudunia. Pour venir chercher son épouse. Kwa kuja tafuta bibi harusi wake. Ce qui se passera à ce moment-là. Ao yenye itafanyikaka kwa wakati ule. Or. Jusqu'à ce moment-là, prions tous, menons tous de bonnes vies chrétiennes droites, en attendant avec impatience sa venue. Wakati tunangojea kwa subira ujio wake. Munatosha mule nini? Siku na saha ya kunyakuliwa. Ilikuwa nafichama mumuhuri wa saba. Bakaimuficha Abraham hakuyambiliwa na hakuijua na bakaikashe me bakampatia kama muko biwili muko mvuto wa tatu muko ngurumo saba me iki cha tatu chenye kiko ndani mubile bitu bitatu bakamwambia ile sitakupa na Yesu siku alikuwa na bamboleuza alimwambia
kwa kuhusu siku na saa hakuna mwenye najua na mwana wa Mungu hajui. Njoo kile kitu cha tatu chenye kiko mumuhuri wangapi? Wa saba. Kisha watu wakamwona bana hiki cha tatu banasema haijulikane, me banasema kama même si hakijulikane me tulishajua ni nini? Ndio. Nayo ni kuchielewa. Ndio ndio. Prisi biwili byenye tunayua kisha wanakuambia haikufunuliwa. Haikufunuliwa na tulishajua kama ni bitua biwili tulishabiyua na kimoya tuko obligé kuchingojea. Ndio ndio. Kisha useme haikufunuliwa. Mm. Comment tu dis que le septième son n'est pas révélé? Wakati unasema muri wa saba hukufunuliwa. Alors qu'on nous a dit qu'il y a trois choses. Ingalao tulisema ndani muna mambo mawili. Troisième poule. Mvuto wa tatu. Le sept tonnerre. Ngurumo saba. Or. Na. La troisième chose. Jambo la tatu. Nous la saurons quand nous sommes en train de monter. Tutaijua kana tuko na panda. Que Jésus a caché cela secret. Na Yesu ali acha iwe siri. Ibranamu on n'a pas dit. Ha. Nabrana makuyabiwa. Mais que l'épouse doit se préparer. Bali kanisa, bibi harusi ni katia. Que quand elle aura la foi de l'enlèvement. Na, litakapo pata imani ya kuyabiwa. Le reste de la troisième chose dans le septième son, nous la saurons quand nous sommes en train de monter. Ya kubakia ambayo ni ya tatu, mwaili jambo tutaijua kana tuko na panda. Maintenant vous dites que ce n'est pas révélé. Sasa utasemaji ya kwamba ikufunuliwa. Que signifie révélé? Ya kufunuliwa manake nini? C'est donner l'interprétation d'une écriture, mais tout en laissant un petit secret à côté. Ni kuleta tafsiri ya andiko ukiacha kitu kidogo pembeni. C'est ce que dit le Messie Seller, paragraphe 180. Que révéler, c'est donner une explication d'une écriture, mais sans toutefois donner tout le tout. Eti ni kuleta tafsiri ya andiko bila kuleta mambo yote kwa ukamilifu. C'est ça révéler. Hiyo ndio il reste encore un mystère là-bas. Kungali siri mule. Le septième soit quoi? Muri wa saba una nini? Trois choses. Mambo matatu. Un. Moja. Un. Moja. Mvuto wa tatu. Deux. Troisième poule. Pili. Sept tonnerres. Ufunua. Trois. Tatu. Dans tes jours, restez secrets que nous saurons lorsque nous sommes en train de. Tare siku inabakia siku mpaka siku tuta. Maintenant, est-ce que à cette minute, le septième soit révélé? Sasa kwa wakati huu muri wa saba ulishaka funuliwa. Révélé, c'est-à-dire, nous connaissons quand même, ça dit quoi? Le silence là d'à peu près 30 minutes vient d'être dévoilé devant nous. Kufunuliwa, inasema nini? Ile kimya dakika tatu, nayo tumepata yaliyo semwa ndani yake ya kwamba kuna mvuto wa tatu, funua wangurumo saba, na jambo lingine, linalobaki. C'est révélé ou pas? Je, ilifunuliwa, haikufunuliwa. Amen. Amina. Il a dit, j'ai vu ça défiler de mes yeux. Eti ana, mjumbe anasema niliona ikipita. Ça m'a été donné aussi, je ne pouvais pas saisir ça. Nilipewa lakini singeliweza ishika. C'est ce qu'on a interdit à Jean d'écrire. Na ni ile Yohane naye alikatazwa kwamba siandike. Jean avait vu. Yohana alikuwa aliona. Mais on lui a dit ça tu n'écris pas. Lakini akakatazwa kuandika. Caché là-bas dedans. Inafichwa mule ndani. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Je suis à la fin. Niko kumwisho. Patientez. Mvumilie. Je vous ai dit, je peux ne pas prêcher encore ce sujet même deux ans après. Niliwaambia kwamba naweza kutahubiri somo hili. Profitez parce que vous ne savez pas si nous restons avec combien de temps. Mufaidike sababu hamujue tunabakia na muda wapata gani. L'église peut aller à tout moment. Kanisa laweza enda izuru wakati gani. Alors, bien-aimé. Sasa wapendwa. Troisième poule, c'est quoi alors? Mvuto wa tatu ni nini? Que signifie troisième poule? Mvuto wa tatu manake nini? Écoutez. Msikie. Écoutez. Msikie. Amen. Même dans le septième son, il dit ici. Hata katika muri wa saba naeleza. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner cette voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Dio. Vous voyez que c'est Christ l'agneau a pris. Mais il dit, mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne connaîtra le moment de sa venue. Ya kwamba hiyo inapatana na yenye ilisemeka kwamba hakuna ajuaye siku atakapokuja. C'est dans le septième son. Ni mumuhuri wa saba. Et il n'allait pas connaître le mystère de cette tonnerre non plus. Na hawanga lijua. Siri ya zile ngurumo saba hata hivi. Donc, kwamba, vous voyez, munaona, il y a un lien entre les deux. Kuko, usiano kati ya mambo ngurumo na muhuri wa saba. Il y a un lien entre les deux. Kuna usiano kati ya ngurumo na mihuri na muhuri wa saba. Mais, lakini, que c'est seulement la véritable église qui va connaître ça.
Yakuwa ni kanisa la kweli litakalo jua hiyo. Écoutez ce que frère Branham dit. Musikie nye Branham anasema. Là où il dit que c'est seulement la véritable église qui doit connaître ça. Les autres ne sauront jamais. Yakuwa ni kanisa la kweli ambalo litajua hiyo. Makanisa mengine kamwe hayatajua. Ça vous devez le savoir. Hiyo mwende na mnaijua. Pourquoi? Kwa nini? Parce que sababu c'est seulement la véritable église. Ni kanisa lililo la kweli peke yake. Écoutez. Musikie. Kale. Mais lakini la Bible dit. Biblia yasema. Que ce fut dit à Daniel et aussi à Jean. Ya kwamba iliambiwa Daniel na Yohane. Que dans les derniers jours. Ya kuwa katika siku za mwisho. Cette voix serait connue. Zile sauti saba zitajulikana. Par la véritable la vraie église. Na kanisa ambalo ni la kweli. Halisi na la kweli. Kanisa la kweli. Ndio. Njoli ngeliwaka habari ya toner. Amen. Lenye haliko la kweli, halitajua hiyo. Donc si on a batu wanabileta mububishi, uyue tu. Ha. Kuna kasoro. Amen. Apocalypse livre de symboles paragraphe 66. Ni katika mahubiri yanayoitwa Ufunuo kitabu cha mifano. Sasa. Hey. Quelques minutes ni bafasilie muhuri wa mvuto wa tatu. Kisha muende kunyumba. Je vous explique le troisième. Nataka wafasilia mvuto wa tatu. C'est quoi? Ni nini? Et là vous rentrez. Na kwa hiyo mtarudi nyumbani. Il est 10h33. Bandugu, ingali saa 4 na nusu. Il est 10h33. Ingali saa 4 unusu. Donc à 11h vous serez dehors. Kwamba saa 5 mtakuwa mko nje. Soyez patient. Muwe mvumilivu. Saa 4 na nusu mbemwa lakini nanye. Tanjomba. Ingali asubuhi. Kwanza hiko nyenjo mko mnasema. Ingali asubuhi. Mnachoka na hamkusema ta. Mnawe vitu nilipreparé sanga mpaka saa 7 ya usiku. Ndio. Miza madame. Nilipreparé prédication de 16h à minuit 30. Ibi vyote kupitia ku papier ni sangapi? Amen, amen. Masaha 7 niandae vitu. Nibikuleteye kusema ubisikie saha mbili usinzie. Yesu. Seke roho iliniongoza na yenyeko mweye kuna tofauti. Ndio. Mvuto troisième poule c'est quoi? Mvuto wa tatu ni nini? Très simple comme bonjour. Ni nyepesi sawa kupeana salamu. Jésus avait le trois poules. Yesu alikuwa na ile mvuto tatu. Noé avait trois poules. Noa kawa na ile mivuto tatu. Et Branham avait aussi les trois poules. Branham naye akawa na ile mivuto tatu. Troisième poule c'est quoi? Tata, mivuto wa tatu ni nini? Écoutez bien. Sikia vizuri. Troisième première poule, mivuto wa kwanza pour Jésus, kwa Yesu, c'était la guérison divine. Ilikuwa ni uponyaji wa kiungu. C'était le premier poule pour attirer les gens de croire. Ilikuwa ndio mvuto wa kwanza kukokota watu waamini. Kuna mtu hawezi amini kama hakuponaka. Amen. Anakokotwa toujours alipona. Ndio. Na naokokea mkupona. Satire le poisson. Ina kokotaka samaki. Le premier poule, mvuto wa kwanza, c'est la guérison divine. Ni uponyaji wa kiungu. Deuxième poule, mvuto wa pili, c'est le discernement des pensées des gens. Ni kupambanua mawazo ya watu. Troisième poule, mvuto wa tatu, c'est prêcher la parole. Ni kuhubiri neno. Qui est révélé. Lililo funuliwa. Ça donne à quelqu'un la vie. Linapatia mtu uzima. Sans avoir vu un miracle. Bila kuona mujiza. Ni être guéri. Au kuponyeshwa. Le troisième poule c'est quoi? Mvuto wa tatu ni nini? C'est prononcer un mot. Ni kutamka neno. Ça s'accomplit. Linatimia. Directement. Papo hapo. Le troisième poule. Mvuto wa tatu. C'est créer des choses. Ni kuumba vitu. Par la bouche. Kupitia kinywa. Et ça se réalise. Na kinatimia. On prononce. Unatamka. Vous partez. Unaenda. Dieu fait ça. Mungu anaifanya. C'est ça le troisième poule. Huo ndio mvuto wa tatu. Jésus avait les trois poules.
Il a guéri les malades. Les gens ont cru. Il a discerné les pensées des gens. Quand il pouvait dire, il y avait 5 maris, mais le 6e n'est pas le tien. C'est le 2e poule. Mais le 3e poule, que personne ne mange les fruits de toi. L'arbre sèche. 3e poule. Pierre. Petro, va au lac. Tu vas tirer un poisson. Uta, retire l'argent dedans. Amène-moi. Il crée l'argent dans la bouche du poisson par la parole. Yesu akaumba pesa ndani ya kinywa cha samaki kupitia neno. Et Pierre part. Petro naye kanena. Et Pierre part. Anakwenda. Anaenda. Il jette. Akatupa. Dieu crée un poisson. Mungu akaumba samaki. Met l'argent dedans. Akaweka samaki ndani. Et Pierre retire l'argent. Petro anatoa pesa ndani. Il amène. Analeta. Ça c'est le 3e poule. Ile ni mvuto wa tatu. 3e poule. Mvuto wa tatu. Pierre. Petro. Viens. Kuja. Il marche sur l'eau. Akatembea. Ça n'a jamais existé. Ya maji. Parce qu'il vient de te dire viens. Sababu amekwambia kuja. Tu dois piétiner sur l'eau et tu ne descends pas. Unakanyanga juu ya maji na hautashuka. Ça c'est le 3e poule. Ule ni mvuto wa tatu. Et quand il prêche, na alipohubiri, le 3e poule sépare les perdus et les élus. Mvuto wa tatu ukatenganisha wapotevu na wateule. Quand il prêche la parole, alipohubiri neno, il dit, akasema, si vous ne mangez pas ma chair, musipo kula mwili wangu, vous ne buvez pas mon sang, musipo kunywa damu yangu, vous ne m'appartenez pas. Ninyi si wangu. Les maudits partent. Wakaenda. Parce que la parole devient très dure. Sababu neno lilikuwa ngumu. Mais les élus, bali wateule, ils disent, wakasema, où irons-nous? Tutaenda wapi? C'est pourquoi il dit, ndio maana alisema, c'est mon père qui t'a révélé ça, c'est le baba yangu alikufunulia. Ça, ce sont les 3 poules pour Jésus. Hiyo ilikuwa mivuto tatu kwa Yesu. Branham de tout son ministère. Sasa Branham katika huduma yake. Avant 1963. Mbele ya mwaka wa 1963. Il naviguait seulement sur les 2 poules. Alitembea na hii mivuto mbili. C'est après 1963 que le 3e poule sera introduit dans l'église avec force. Mvuto wa tatu na penyezwa kanisani kwa nguvu. Et il va continuer avec nous na utaendelea na sisi jusqu'à l'enlèvement. Mpaka siku ya unyakuo. Le 3e poule n'est pas pour Branham seulement. Mvuto wa tatu haiko kwa Branham peke yake. Il est pour ceux qui ont cru à son message avec sincérité. Ni kwa wote watakaoamini ujumbe wake kwa ukweli. Qui croiront aussi au 7e saut. Na watakao amini pia muhuri wa saba. Parce que vous ne pouvez pas avoir le 3e poule si vous ne croyez pas au 7e saut qui le contient. Hawezi kuwa na mvuto wa tatu sipo amini muhuri wa saba ambao unatoka ndani. Quand vous dites qu'il n'est pas révélé, unaposema haukufunuliwa, Dieu vous prive le 3e poule directement. Mungu anakunyima mvuto wa tatu papo hapo. Écoutez-moi. Musikie. Frère Branham dit quoi? Branham anasema nini? Il dit ceci. Anasema hivi. Pour le 3e poule, mes bien-aimés. Kwa ajili ya mvuto wa tatu wapendwa wangu. Il dit ceci. Anasema hivi. C'est arrivé plusieurs fois dans mon ministère. Kwamba ilifika mara mingi katika huduma yangu. Voilà des exemples. Mifano ndio ile. Premier exemple. Mfano wa kwanza. Meda est malade. Medalipogonjwa. Vous allez les trouver dans les livres, tourner les regards vers Jésus. Utaikuta katika mafundisho kutazama aliko Yesu. Qu'est-ce qui arrive? Nini liyofika? Le médecin est en train de planifier comment l'opérer. Daktari alipopanga namna ya kupasua dada. Frère Branham dit. Branham anasema, oh Dieu. Eti Mungu. Cette femme a été importante pour moi. Muku, muke huyu alinifalia sana. Qu'on ne l'opère pas. Asipasuliwe. Qu'elle reçoive la guérison. Apokee uponyaji. Le kyste va disparaître. Hiyo ugonjwa ukapotea. Quand on va toucher la sœur le lendemain, walipogusa dada kesho yake, le médecin dit, daktari kasema, je ne vois rien. Sioni lolote. Tu peux rentrer à la maison. Waweza karudi nyumbani. La parole, neno langu, a tué la maladie, likaua ugonjwa, et a créé, lika umba, une nouvelle vie dans la sœur. Uzima mpya ndani ya dada. Et quand le dimanche on vous a dit ici, na Jumapili mlipoambiwa, allez à l'hôpital. Wende hospitalini. Je vais créer de nouvelles choses dans Mamba, la sœur. Nitaumba mambo mapya ndani ya dada. Vous avez le témoignage ici. Mulisikia ushuhuda hapa. Vous croyez que c'est quoi? Mulisikia, hallelujah. Mais c'est le 3e poule. Ilikuwa ni mvuto wa tatu.
On prononce. Wana tamka. Et les choses se créent. Na mambo yaka umbwa. Yaka umbika. Frère Branham. Ndugu Branham. Il est là. Aliko, il arrive chez la sœur Hattie White. Alipofika kwa dada Hattie White. Vous allez le trouver. Mutaikuta. Dans la brochure. Katika mafundisho. Qui est là-bas. Ambaye yako pale. Vous allez le trouver. Mutaipata. Il arrive chez la sœur Hattie White. Alipofika kwa dada Hattie White. Et quand il arrive là-bas. Alipofika hapo. Il arrive. Alipofika. La sœur. Dada. Elle a des enfants. Ana watoto. C'est ici dans la brochure qu'on appelle tourner le regard vers Jésus. Ni hapa katika mafundisho kutazama aliko Yesu. Il dit que cela arrivait, c'est la première fois, et c'était la première fois que cela arriva à un être humain, le troisième poule. Ilikuwa mara kwanza jambo hilo kufikia mwanadamu, yani mvuto wa tatu. Arriver à donner le salut à quelqu'un en prononçant seulement. Kufikia kupatia mtu wokovu kwa kutamka jina lake. Kwa kutamka tu. Kwa kutamka il a vu chez la sœur Hattie White. Alipofika kwa dada Hattie White. Il commence à expliquer comment Dieu l'a utilisé pour créer les écureuils. Akaanza fasilia namna Mungu alimtumia kwa kuumba visindi. La sœur Hattie White commence à pleurer. Dada Hattie White akaanzalia. Il dit c'est Dieu là que je veux, frère. Eti ni yule Mungu ninayemtaka. Frère Branham dit. Branham anasema. Il dit. Anasema. Si. Kama. Demande-moi ce que tu veux. Ni. Ombe kile unachotaka. Je vais te le donner ici. Nitakikupatia hapa. Si je ne te le donne pas ici. Nisipokikupatia hapa. Je suis un faux prophète. Mimi ni nabii wa uongo. La sœur commence à chercher. Qu'est-ce que je vais dada demander? Dada katafutisha ataomba nini? Frère lui dit si tu veux ta sœur qui est malade elle sera guérie. Brana makamwambia ukitaka dada yako aliye mgonjwa atapona. C'est comme ça que la sœur Hattie White. Ni hivyo dada Hattie White. Si tu as besoin de l'argent, ça va descendre ici. Kamwambia ikiwa una haja ya pesa zitashuka hapa. Frère Branham dit que les enfants de Hattie White ont commencé à se moquer. Watoto wa Hattie White wakaanza chekelea. La même voix dit donnez-lui ce qu'elle demandera. Ile sauti kasema mupe chochote atakachoomba. Et elle regarda autour d'elle. Aka angalia kando na kando na kusema. Que vais-je demander? Sasa ni ombe nini? Ndugu Branham. Je dis. Nikasema. Dites ce que vous désirez. Sema kile unachotaka. Pensez à votre plus grand désir et dites-le. Wazia hitaji yako kubwa. Paragraphe 50 tourne le regard. Ces garçons ricanaient même et riaient. Vijana wake walikuwa wakicheka cheka. Et elle dit. Yeye akasema. Le plus grand désir que j'ai. Hitaji kubwa ninayo. C'est le salut de mes deux fils. Ni wokovu wa vijana wangu wawili. Et je dis. Nikasema. Je vous les donne. Ninaikupatia. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Et c'était parti. Na ikakuwa hivyo. Il participe fidèlement à la communion dans cette église. Ses petits amis sont là au lavage des pieds avec les hommes et ces choses comme cela. Donc, Branham lui dit. Comme tu demandes le salut de tes deux enfants. Hivi unaomba wokovu ya watoto wako wawili. Païen. Wapagani. Je te le donne au nom de Jésus-Christ. Directement les enfants sont tombés sur les pieds. Pale, watoto wakaanguka chini. Ils ont cru. Wakaamini. Ils ont été sauvés. Wakaokoka. Un salut. Wokovu. Par la bouche. Kupitia kinywa cha nabii. Je te le donne. Ninaikupa. C'est le troisième poule. Ile ni mvuto wa tatu. Combien de gens les ministres ont réclamé? Watu wangapi walidaiwa na watumishi? Les serviteurs disent à la sœur, nous réclamons. Watumishi wakambia dada, tunafurahi de ton époux. Wokovu wa mume wako. Nous les réclamons. Tunaiomba. Quelque temps après vous voyez l'homme croire. Nyuma ya muda fulani mume anaamini. Ça c'est le troisième poule. Ile ni mvuto wa tatu. Frère Branham est quelque part. Branham alipokuwa fasi. Il a chassé, il manque. Akawinda akakosa. Il dit. Akasema. Je vais rentrer comme ça. Nitarudi nyumbani mikono. La voix lui dit. Sauti kamwambia. Demande, je te donne le gibier. Omba nikupe chakula. Il dit Seigneur. Akasema Mungu. J'ai besoin d'un écureuil ici. Ninahitaji kisindi kiwe hapa. L'écureuil est venu là. Kisindi kikakuwa pale. Il a tiré. Kakifiaturia lisasi. Il a pris. Akakitoa. En voulant partir. Alipotaka enda. La voix lui dit. Sauti kamwambia. Mais tu as demandé encore un autre nom? Uliomba viwili. Kingine. Dit, alors, où est-ce que tu veux que ça soit? Sasa unataka kiwe hapa. Ici. L'écureuil vient. La parole crée. Neno likaumba. Alléluia. Amen. C'est le troisième poule. Huo ndio mvuto wa tatu. Qui est dans le septième seau?
Est-ce qu'il ne continue pas avec l'épouse? Frère Branham dit Branham que c'est le troisième ministère. Ya kwamba ndio huduma ya tatu. Il m'a dit de prononcer simplement la parole et il en sera ainsi. Alinambiaka kwamba nitamke neno na itakuwa hivi. C'est dans la brochure qu'on appelle Lettre au Dieu à Livail, paragraphe 101. C'est le troisième poule. C'est la prononciation. Nikutamka. Le frère Branham est en train de dire Branham ça. Je ne le fais pas à tout moment. Sifanyake kila wakati. J'attends. Nasikia s'il me dit, anaponiambia, je le fais. Ninaifanya. S'il ne me dit pas, asiponiambia, je ne le fais pas. Sifanyake. Des fois, vous pouvez même demander à Branham de vous le faire. Il ne vous le fait pas si Dieu ne lui dit pas de kuna le wakati faire. Unaweza ambia Branham ikufanyizie na hata ikufanyizia Mungu asipomwambia. Parce qu'il attendait sababu alikuwa anangojea que Dieu lui dise toujours ce qu'il doit faire. Mungu amwambie yenye atafanya. Apana. Il ne le faisait pas par lui-même. Hakuwa naifanya kwa yeye mwenyewe. Parce que s'il allait le faire lui-même, sababu angeifanya kwa yeye mwenyewe, il n'allait pas réussir. Hangewezaka. Et c'est ça le troisième poule. Na huo ndio mvuto wa tatu. Et c'est comme ça que Moïse aussi créait les choses en Égypte. Na ni hivyo Musa naye alikuwa naomba vitu kule Misri. Vous les trouverez dans la brochure ici. Mutaikuta katika mafundisho. On appelle les soins du temps de la fin. Wapa kwa mafuta wakati wa mwisho. C'est le troisième poule au paragraphe 262. Ni mvuto wa tatu kwa Et c'est comme ça que Moïse pouvait prononcer. Na ni hivyo Musa naye angeweza tamka. Il pouvait prononcer. Angeweza tamka. Est-ce que vous n'avez jamais vécu même ça une fois dans cette église ici? Je, hamujaiishi hata limoja kanisani humu. Même si hata kama, il est difficile de le faire selon les sentiments humains. Ni vigumu kuifanya kwa hisi za kibinadamu. Mais nous le voyons se manifester parmi nous. Lakini tunaonaka ikizihirika miongoni mwetu. Est-ce que les amis, quand nous sommes allés à Ijwi, on n'a pas, Dieu n'a pas créé les poissons? Sasa tulipo safiri kwenda Ijwi, Mungu hakumbaka sambaza. Vous arrivez là-bas? Munafika kule? On est au mariage? Muko mundoa? Les gens arrivent, là ils nous disent. Watu wakafika pale wakatuambia. Ça fait deux mois on n'a pas pêché ici. Kunaisha miezi miwili hatukuvua. On n'a pas de poissons? Hatuna samaki? On n'a rien. Hatuna chochote? On n'a pas de nourriture ici. Comme vous venez d'arriver, priez pour cet eau, nous devons pêcher aujourd'hui. On vous a projeté les vidéos ici. Video hapa. Les serviteurs, watumishi, on s'est agenouillés. On a pris de l'eau. On a dit Dieu, nous demandons les poissons pour les quartiers aujourd'hui. Kwa ajili ya watu hapa. Amenez les poissons ici. Leta samaki hapa. Le lendemain, tous les quartiers étaient pleins de sambaza. Kesho yake, mji mzima ulijaa na sambaza. Ndio. Quelqu'un vient. Mutu akakuja. Donnez-moi un enfant. Nipe mtoto. Donnez-moi un enfant. Nipe mtoto. Tu vas le créer. Utamuumba basi. Tu lui dis va. Anamwambia wende. Que Dieu te donne. Mungu akupe. Et l'enfant naît. Mtoto anazaliwa. Vous avez besoin de combien de poules? Munahitaji ifanyike mara ngapi? Vous allez au Burundi. Munafika Burundi. Les médecins vous disent. Daktari anakuambia. Allez au Kenya. Mwende Kenya. Vous arrivez dans le bureau du serviteur. Unapofika ofisini ya mtumishi. Il dit à l'enfant. Anaambia mtoto. Tu es guéri. Umepona. Ta maladie est partie. Ugonjwa umeondoka. On amène l'enfant au Kenya. Anapopelekwa Kenya. Le médecin lui dit. Daktari anamwambia. On ne trouve rien. Hatuone ugonjwa. Rentrez à la maison. Rudini nyumbani. Qu'est-ce que ça c'est quoi? Hiyo ni nini? Est-ce que ça ne donne pas aux gens la foi de l'enlèvement? Je, haipatie watu imani ya kunyakuliwa. J'ai entendu quelqu'un dire le troisième poule, c'était seulement pour Branham. Mais frère Branham dit ce que Dieu fait au messager, il le fait aussi à ceux qui croient à son message. Nilisikia mtu akisema kwamba ile mvuto ya tatu ilikuwa tu ni ya Branham. Lakini Branham mwenyewe anaeleza akisema hivi. Yale Mungu anafanyia mujumbe, anayafanyizia na wote wanaoamini ujumbe wake. Frère Branham dit quoi? Ndugu Branham anasema nini? Nous attendons Seigneur ce troisième poule. Tunangojea Bwana ile mvuto wa tatu. Qui nous le savons bien?
accomplira de grandes choses pour nous au milieu de nous. C'est dans la brochure l'accusation, paragraphe 392. Accomplira de grandes choses au milieu de nous. Et il dit ceci. Observez alors le troisième poule. Il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus, mais il sera en faveur de l'épouse de l'église. Kwa wale ambao watakuwa wamepotea kweli, lakini itakuwa na faida. Faida kwa wale ambao watakuwa bibi harusi na ndilo kanisa. Dans la brochure, tournez le regard, paragraphe 32. Katika ujumbe, pour les perdus, kwa waliopotea, le troisième poule les jette encore très loin. Kwa wenye walipotea, mvuto wa tatu unapeleka tena mbali na Mungu. Mais pour l'épouse, lakini kwa bibi harusi, il sera en faveur de l'épouse de l'église. Itakuwa ni kwa faida ya bibi harusi ambalo ni kanisa. Si vous êtes dans ce tabernacle ici, ikiwa unakaa maskani humu, même si vous n'en avez jamais profité, hata kama hauyaifaidika, mais au moins vous en êtes témoin que quelque chose s'est déjà fait un jour. Lakini umepata ushuhuda ya kwamba ilishakafanyika. On vole la machine à l'hôpital. Wakati on vole la machine qui coûte plus de $20,000. Ambayo inagharimu zaidi ya dola 1000. La sœur pleure. Dada kalia. Le serviteur lui dit, watumishi wakamwambia, cette machine, chuma kile, nous la ramenons. Tunakirudisha. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Elle doit revenir dans cette ville. Kikarudia mwahi mji. À moins d'un mois. Kwa muda wa mwezi moja. La machine est revenue. Chuma kikarudi. Et après l'avoir traversé la frontière agitée. Na kilikuwa kimevuka mpaka wa inchi. On dérange le frère au travail. Walipo zuru, il est ici. Yuko hapa. Le serviteur est utilisé. Mtumishi akatumikishwa. Il dit, nous chassons. Kasema tunafukuza. Chef. Wakubwa wako. On avait parlé même de la date, non? Même la date. Hata tarehe ikatamkwa. Telle date. Tarehe fulani. Ils doivent quitter. Anapaswa fukuzwa kazi. Avec date précision. Hakikisho na tarehe. La date est arrivée. Tarehe ilipofika. Le blanc qui troublait les frères au travail. Mzungu aliyekuwa akisumbua ndugu kazini. Il a été chassé. Alifukuzwaka. À la même date, le frère est présent ici. Kwa ile tarehe ndugu ni shahidi hapa. Osez chasser quelqu'un si ce n'est pas le troisième poule qui vous le permet. Jaribu ukufukuza mtu ikiwa haiko muhuri wa mvuto wa tatu inaileta. C'est pourquoi des fois quand le troisième poule opère dans l'église. Ndio maana mvuto wa tatu unapotumika. Les gens viennent demander au ministre, faites-nous ceci. Watu wanakuja ambia watumishi mtufanyie hivi. Non. Ils ne le font pas de même. Hawaifanyake kwa wao wenyewe. C'est quand l'onction est là. Ni wakati upaka huko. Que ça se fait. Inafanyika. Si Dieu ne le permet pas. Mungu asipoiruhusu. Ça ne se fait pas. Haiwezi kafanyike. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même si mon Père ne me le révèle. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on n'a pas chassé ton chef aussi? C'était la même chose. J'en connais des sœurs ici. Pardon? Voilà. Il dit, il demande, j'ai besoin que Dieu me donne telle chose. Les serviteurs disent, partez, reçoit la salle. Il arrive, il y reçoit. C'est le troisième poule qui continue. Et nous allons bénéficier de ça jusqu'à l'enlèvement. Na, tutaenda tukifaidika na hiyo mvuto wa tatu mpaka siku ya kunyakuliwa. Alléluia. Amina. Shalom. Shalom. Voilà comment l'église est en train de marcher. Hivyo ndio namna kanisa inatembea ndani. Et le profite du troisième poule. L'inafaidika na mvuto wa tatu. Il reçoit la puissance de l'enlèvement qui provient de la compréhension de cette sœur. L'inapokea imani ya kunyakuliwa inayotoka mkuelewa ufunuo wa mihuri saba. Entre temps, il profite de la guérison divine. Kwa wakati ule linafaidika na uponyaji wa kiungu. Premier poule, ça continue dans l'église. Mvuto wa kwanza unaendelea kanisani. Discernement des secrets de cœur des gens, ça continue. Upambanuzi wa siri za mioyo ya watu inaendelea. Deuxième poule,
Mvuto wa pili. Troisième poule. Mvuto wa tatu. La manifestation de la parole. Dhihirisho la neno. Sans même faire un miracle. Bila hata kufanya muujiza. Si vous adorez dans une église qui a le troisième poule dans la prédication. Ukiabudu katika kanisa lenye kuwa na mvuto wa tatu mahubiri. Vous tentez que la prédication est tentée de créer la vie dans votre cœur. Unasikia kwamba mahubiri yako yakiumba uzima moyoni mwako. Vous sortez, vous sentez que le désir du péché est en train de disparaître de soi-même. Unatoka ukisikia kwamba hamu ya dhambi kunaenda inapotea ndani yako. La manifestation de la parole qui crée. Ni dhihirisho ya neno inayoumba. Amen. Amina. Est-ce que l'église est là? Je, kanisa liko. La transformation d'une pensée. Kubadilishwa ya wazo. Tu penses à quelque chose. Unawazia kitu. Tu vois, elle se matérialise. Unaona kinaonekana wazi. J'aurais voulu avoir quelque chose. Ningependa nipate kitu fulani. Quelque temps après ça arrive. Na baada kidogo kinafika. Ce n'est pas une fois, c'est pas deux fois, nous le vivons ici. Haiko moja au mara pili tunaishi hayo. Et c'est comme ça. Na ni hivyo. Que kwamba les trois poules étaient là. Mivuto atatu ilikuwa. Il a dit, tu vois, les premiers poules, c'est quand ils posaient les mains sur les gens et que tu les disais ce que était leur maladie. Mvuto wa kwanza ilikuwa ni wakati uliweka mkono juu ya wagonjwa na unawaambia ugonjwa wanao. Le deuxième poule c'est quand tu connaissais les secrets de cœur, je te le disais. Mvuto wa pili ni wakati ulivumbua siri ya mioyo nilipokuwa nikikwambia. Et alors ici en bas il dit, ce qui était à côté de moi, derrière moi, la même voix, la voix de l'ange, il a dit, je te raconterai là et ça ce sera le troisième poule. Mais personne ne sera derrière à ce sujet. Nibitu hawezi kufasilia mtu kama binafanyizi wakae. Namuna gani? Donc, les gens ont imité les deux premiers poules. Watu wali iga yo mivuto mbili. Le deuxième. Mais on ne peut pas imiter le troisième. Ya tatu haweze ukaige. Parce que même celui qui l'opère, il ne sait pas aussi expliquer. Sababu na mwenye kwa naifanya hawezi ifasilia. Ndiyo. C'est dans un silence absolu. Ni mukimia kamili. Reçois. Pokea. Il ne sait pas comment toi aussi tu le recevras. Haujui namna na wewe utaipokea. Je le chasse. Eti namfukuza. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Il ne sait pas comment il sera chassé. Hajue namna atakapo. On ne peut pas imiter ça. Hawezi ukaige. Amen. Amina. Je pose la question. Sasa niulize. Est-ce que maintenant aujourd'hui l'église connaît le troisième poule c'est quoi? Sasa leo kanisa najua muri wa tatu ni nini? Ok, est-ce que aujourd'hui l'église comprend maintenant le septième saut c'est quoi? Sasa leo kanisa limeelewa muhuri wa saba nini ni? Qu'il y a trois choses. Ambaye ndani muna mambo tatu. Le troisième poule. Mvuto wa tatu. Les sept tonnerres. Gurumo saba. Et les secrets de la date et de l'heure de sa venue que nous saurons quand nous serons en train de partir. Na siri ya tarehe ya siku Bwana atakapokuja tutajuaka na tuko tunaenda. Le septième saut est révélé. Muri wa saba ulifunuliwa. Maintenant que vous ne connaissez pas les premiers sauts jusqu'au septième aussi, ivi, au sixième. Ivi sasa mujue mihuri ya saba tangu ya kwanza hadi saba. Un jour je viendrai prêcher maintenant sur la révélation des sept sauts. Kuna siku nitakuja kuhubiri kuhusu ufunuo wa mihuri saba. Selema. Hiyo tu. Quand vous serez en train de prêcher les sauts, nitakapokuwa nikihubiri mihuri, vous saurez que nous sommes en train de vous dire ce que les tonnerres ont dit. Mutatambua kwamba tutakuwa tuko na waelezea yaliyosemwa na ngurumo. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, vous comprenez que Jean, les tonnerres ont tonné? Sasa munaelewa ya kwamba, kwa wakati wa Yohane ngurumo zilinguruma. Jean entendu. Yohane alizisikia. Il lui a dit de ne pas écrire. Akakatazwa kuandika. Mais de sceller. Lakini atie muhuri. Mais qu'au jour de la voix du septième ange. Ya kuwa kwa wakati wa sauti wa malaika. Il allait révéler. Zinge funuliwa. Et la révélation de sept tonnerres. Na ufunuo wa ngurumo saba. C'est ce que les sons ont dit. Ni yale mihuri zilisema. Est-ce que vous voulez savoir ce que les sons ont dit? Attendez maintenant la prédication de sept sauts. Mukitaka sasa kujua yaliyosemwa na ngurumo. Ngojea mafasilio kuhusu mihuri saba. Mais on ne va pas vous dire que ce que les tonnerres ont dit, on ne connaît pas, alors que nous connaissons que ce sont les sept sauts. Lakini haitasemeka kwamba hatujue yenye ngurumo zilisema na zilisemwa katika mihuri saba. Ndiyo. Et que le septième messager na ya kuwa mjumbe wa saba a reçu des missions. Alipewa kazi mbili. Malachi 4. Malaki ine. Ramener l'église comme les apôtres. Kurudisha kanisa liwe sawa na la wa mitume. Et révéler tous les mystères. Na kufunua siri zote zilizofichwa. S'il a échoué, ikiwa alishindwa, on attend le huitième. Tunangojea sasa wa munane. Mais que notre frère avait dit que c'est pour Israël.
Ambaye Frank alisema kwamba ni kwa Israeli. Et qu'on ne peut pas prêcher. Ne kwamba hatupaswi kuhubiri. Vous avez le choix. Munalo chaguo. Je respecte les serviteurs d'autrui. Mimi naheshimia ule mtumishi. Mais pour moi cet après-midi ou ce matin. Lakini kwangu mimi siku ya leo. Je prends position pour Branham. Nimekamata msimamo ya mjumbe Branham. Parce que c'est lui qui dit il sera jugé selon son message. Yeye kila mtu atahukumiwa sawa sawa na ujumbe wake. Et lui sera jugé selon le message. Na yeye atahukumiwa sawa sawa na ujumbe. Branham ne vous dit vous avez suivi ce que les autres vous ont dit comment alors que vous aviez mes citations vous. Sasa Branham atasemaka mulifuataka yenye mtu mwingine aliwaambiaka na maneno niliyohubiri mlikuwaka nayo. Ces gens-là que vous avez suivi est-ce qu'on vous avait dit que c'est le septième ange? Je yale maneno ule mtu aliwaambiaka ya kwamba yeye ni mjumbe wa saba? Courbons nos têtes. Kwa hiyo tu inamishe vichwa. Merci de votre attention. Tunashukuru kwa kutufuata. Merci de votre attention. Asante kwa kutufuata. Il est maintenant 11h. Inakuwa sasa saa 5. Je viens de prêcher 2h43. Nimehubiri saa 2 na dakika 45. Je n'ai jamais prêché longtemps comme ça. Sijahubiri muda mrefu kama hivi. Mais vous comprenez que on ne pouvait pas séparer tonnerre, saut, septième saut. Troisième poule, ainsi de suite. C'est lié. Wenyewe munaona kwamba tungeliweza achanisha maneno maana yanaenda kiambatana. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Prions. Tuombe Mungu. Demandez à Dieu ceci. Tuombe Mungu hivi. Je veux rester attaché au messager. Nataka nibaki nikiambatana na ujumbe. Je ne me lâcherai jamais. Sita achiliaka kamwe. Amen. Hein? Amen, amen. Je resterai attaché à ton message. Nitabaki nikiambatana na ujumbe. Maintenant que tu as envoyé le messager. Hivi ulishaka tuma mjumbe. Je serai pour le message. Mimi nitabaki kwa mjumbe. Dites, je peux avoir des faiblesses. Sema naweza kuwa na udhaifu. Mais je sais que je suis un élu. Lakini najua kwamba niko mteule. Je sais que tu m'as visité plusieurs fois. Najua kwamba ulinitembelea mara nyingi. Tu m'as montré que ça c'est le chemin. Ukinionyesha kwamba hii ni njia. Je ne recule pas. Sitarudi nyuma. J'attends les jours de ma réponse aussi. Nangojea siku ya kujibiwa kwangu. Probablement que je ne suis pas encore répondu dans ma requête. Wakati si ajibiwa kwa hitaji yangu. Mais je suis sûr que tu m'as donné au moins le salut. Lakini nini nahakikishwa kwamba ulinipa wokovu. Prions ensemble. Tuombe pamoja. Oh Dieu. Eh Mungu. Bénis tes filles. Bariki wana wako. Bénis tes filles. Bariki wabitu bénis wako. Ton église. Bariki kanisa lako. Nous voulons maintenant comprendre. Tunataka kuelewa. Comment marcher avec toi. Ya kwamba tutatembea na wewe. La prochaine partie. Sehemu ya kufuata. Si tu nous l'accorderas aussi. Ukaitupatia. Continue de lever notre foi. Uendelee kuinua imani yetu. Que nous soyons plus forts. Ili kwamba tuwe nguvu zaidi. Plus capables de vaincre ce siècle. Na tuwe. Tunaweza shinda karne hii. Que toutes les maladies. Magonjwa yote. Que tous les blocages. Vipingamizi yote. Tous les blocages. Vipingamizi yote. Que toutes les difficultés. Matatizo yote. Soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Yashindwe kwa jina la Yesu Kristo. Que les requêtes qui n'ont pas encore été répondues. Itaji ambazo bado kujibiwa. Trouve ici l'expression de leur réponse. Uweze kuwapa majibu yao. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore trouvé le salut. Ikiwa kuna mwenye hajapokea wokovu. Visite le Père. Mutembelee Baba. Pour qu'il reçoive ta vie. Ili apokee uzima wako. Que cette vie le conduise vers l'enlèvement. Na ile uzima imuongoze mkunyakuliwa. Le demandons au nom de Jésus-Christ. Tunaiomba kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Prions ainsi ensemble. 5 minutes et puis nous partons. Tuombe pamoja hata dakika 5 baadaye tutarudi. Amen. Prions. Amina. Tuombe pamoja. Prions. Tuombe. Prions. Continuons à prier, mes bien-aimés. Mwendelee kuomba wapendwa. Et que le Seigneur soit. Na Mungu awe pamoja nanyi. Amen. Amen. Très bien. Tema. Je profite de compléter, j'ajoute encore. Kuna jambo nataka niongeze. Le frère me rappelle quelque chose.
Sorry. Le frère me rappelle quelque chose. Ndugu, kuna jambo na nikumbusha. Et j'aimerais que ça soit bien enregistré aussi. Nataka pia nayo irekodiwe. Les trois choses dans le septième sceau ont été révélées. Yale mambo matatu katika muri wa saba yalifunuliwa. J'ai dit par erreur que c'est deux sur les trois. Nilisema kwa kudanganyika kwamba ni mbili bali yako tatu. En disant que la troisième qui est la date et le jour de l'enlèvement n'est pas connu. Nikisema kwamba la tatu ambalo ni siku ya kunyakuliwa isipojulikana. C'est omis. Haiku semwa. Mais lakini, connaître déjà que même cette troisième chose fait partie du septième sceau, c'est que ces trois ont été aussi cités. Kujua kwamba lile jambo la tatu limo katika le mambo matatu ni kwamba nayo ilitajwa. Connaître seulement que dans le septième sceau il y a trois choses. Kujua tu ya kuwa katika muhuri wa saba muna mambo tatu. Le septième sceau est révélé complètement. Muhuri wa saba ilifunuliwa kikamilifu. Le secret de la date. Siri ya tarehe. L'heure et le jour. Na siku na saha. Reste un mystère. Inabakia siri. Mais connaître que ça se trouve dans le septième sceau dans ce silence, c'est aussi la révélation. Kujua kwa manayo ilikuwa mwaile wakati wa kimya nayo ni ufunuo. Donc dans le septième sceau, les trois choses sont révélées. Kwamba katika ule muhuri wa saba, yale mambo matatu yalifunuliwa. Je demande pardon là où j'ai dit que c'est deux sur trois, mais c'est trois sur trois. Kwa hiyo naomba msamaha kukiri ya kwamba ni mbili juu ya tatu, bali yanaenea yote tatu. Tous les trois sont révélés. Yote tatu yalifunuliwa. J'aimerais que ça reste gravé, même dans l'audio. Nilipendelea kwamba yabaki humo hata katika mahubiri yenyewe. Merci beaucoup. Asante sana. Kwa hiyo tuombe Mungu. Prions. Mishi batatu ombea na kupana matangazo tunaendana kwa satanu mungali na muda kwenda fanya benye mtafanya. Badaye watumishi wataomba na mwisho mtumishi waanze simama. Watumishi wasimame ajili ya kuombea kundi. Badaye mtumishi moja tamaliza kwa matangazo. Watumishi simameni na kuomba. Yes. Prions watumishi mwombe kundi na kulibariki. Kulani shida zote. Na kuombea baraka kwa kanisa lijiandae kunyakuliwa. Amen, amen, amen. Na lisidanganywake na mafundisho yoyote ya uongo. Ndio, ndio. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu. Bwana. Amen. Amen. Yes. Amen. Yesu Kristo. Amen. Yes. Amen. 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 Voilà. Voilà. Yes. Mongoliai. Misha malize kwa maombi na kupana matangazo watu warudie nyumbani. Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana. Tunashukuru kwa chakula ya roho ambao umetupatia tena jioni ya leo. Tunakuomba tafadhali. Bariki, fanikisha, chunga mtumishi wako na uendelee kumpa nguvu na ufunuo zaidi. Nasi tuendelee kushiba na tukue tayari kwa kunyakuliwa katika jina la Yesu Kristo. Seigneur Jésus, acha wana na binti zako warudie nyumbani na amani. Wenye wana nguvu za kunyakuliwa wazipokee katika jina la Yesu Kristo. Benye miko na shida nyumbani ziishe
katika jina la Yesu Kristo. Wagonjwa wapone katika jina la Yesu Kristo. Wenye biko mu business mbalimbali wafanikishe katika jina la Yesu Kristo. Wenye biko na churuza wafaidishe katika jina la Yesu Kristo. Wenye biko na tumika walipwe mishahara mizuri katika jina la Yesu Kristo. Wenye bana makazi patipokee katika jina la Yesu Kristo. Watoto bashindikana, o Seigneur Jésus. Troisième poule ngali ndani ya kazi. Acha ile roho ambayo ilikutana na watoto wa dada ati right. Ikutane na watoto wenyewe na supua bazazi. Na wapatilike. Ona puissance de Jésus Christ. Asante Yesu. Tunaomba amani na baraka kwako. Damu yako endelee na kutufunika na kututia nguvu. Tunaombea nchi yetu ya Kongo. Wenjo ulete amani tafadhali. Wenjo mleta amani. Ingia ndani ya kazi na vita ikome hapo katika jina la Yesu Kristo. Asante rafiki Yesu. Wenjo ulituambia vyote benye tutaomba mujina lako utatupatia navyo. Ingia ndani ya kazi, ewe Roho Mtakatifu, toi qui intercède pour nous jour et nuit dans un soupir inexprimable. Ingia ndani ya kazi, hivi tunaomba chini ya damu, katika jina la Yesu Kristo na mkombozi wetu tunaomba hivi. Amen. Tunainamisha vichwa vyetu, kama kutakuwa ndugu, dada ambaye naweza